l'île Maurice fait partie d'un pays que biodiversité plus riche et en même temps plus en danger dans le monde. Dans Maurice, 39% ban plantes, 80% ban oiseaux terrestres et ban reptiles et 40% ban chauves-souris endémiques. Zilla en a aussi 1700 espèces marines, parmi 17 mammifères marins et 2 espèces tortues marins. Malgré ce richesse, en termes ban l'espèce endémique, Maurice sa biodiversité en danger. Ban écosystème nous îles affecté par développement, pollution, ban l'espèce invasive et changement climatique. Sans ban action pour limiter l'impact ban activité humaine et pour protéger ban habitat naturel, beaucoup plantes et animaux endémiques Maurice ou disparaître. Pareil comme en dodo. Aujourd'hui, 10% de la forêt d'origine restée dans Maurice et 89% sur la flore endémique menacée. Concernant la faune, 24 espèces d'animaux vertébrés parmi dodo finent disparaître depuis que l'humain finit établi le territoire Maurice. En plus, beaucoup reptiles comme en lézard, tortue marin et serpent en danger d'extinction. Pour éviter la disparition de cette espèce endémique, là, il est important que les gens établissent une relation plus durable avec la nature. Aujourd'hui, la protection d'un écosystème naturel est essentielle pour préserver les bénéfices que la nature offre. Par exemple, quand on protège un habitat naturel comme un corail, c'est la case d'un poisson qui peut protéger et ça permet à une communauté qui reste sur la côte, continue la pêche et gagne toute la vie dans la mer. Un corail aussi agit comme une barrière contre gros la houle. Il protège un lagon et la plage et il joue un rôle important dans l'intérêt de la population et aussi pour l'industrie touristique. Si un corail et les autres écosystèmes naturels disparaissent, population humaine et l'économie ou bien affectée. Pour réduire la pression sur l'écosystème naturel, Finlay a pour adopter un mode de consommation plus durable et réduire la production de ces tout qualité. Le projet conservation biodiversité a aussi un grand rôle pour jouer pour protéger la nature. Sa qualité projet là est liée avec gestion durable des ressources naturelles et protection biodiversité. Dans Maurice, principale institution qui occupe biodiversité endémique et ban espèce qui trouve le territoire mauricien, c'est National Parks and Conservation Service. Depuis création NPCS en 1994, fin retrouve beaucoup plantes endémiques parmi Pandanus iceyi et Cylindrocline lorenzei. Il y a plusieurs autres exemples en espèces endémiques menacées qui finissent réussi sauver grâce à conservation dans la République Maurice. Parmi Ena, oiseau kestrel, qui beaucoup de monde connaît. En 1974, tiré 10-4 kestrel dans la forêt Maurice. Heureusement, grâce à des efforts pour sauver les kestrel finissent survivre et sa population finit augmenter pour arriver 600 oiseaux. L'histoire kestrel Maurice considérée comme une des plus grandes réussites dans le domaine conservation en espèces d'animaux dans le monde. Ces histoires-là aussi démontré qu'il prose conservation morcée et qu'il besoin continue soutenir les autres. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'enjeux qui continuent menacent une espèce endémique dans Maurice Zodi. Chaque année, la forêt Maurice peut diminuer et la plupart des 12 espèces d'oiseaux endémiques Maurice restent en danger. La réserve naturelle et zone marine protégée a aussi un grand rôle pour jouer dans la protection des espèces endémiques menacées. Maurice a 221 km² de territoire protégé. Ça couvre à peu près 57% des espèces endémiques. Et ça représente 78% des zones légalement décrétées pour protection biodiversité.
Maurice Ena aussi 3 sites Ramsar pour protection ban wetlands et biodiversité qui trouve la côte et 8 parcs naturels le ban tizil qui autour la côte. Ban zefo dans domaine conservation aussi inclut l'environnement marin qui est un écosystème bien important dans Maurice. Entouré avec la mer, nos îles gagnent une plus grande partie sur ban revenu depuis activités comme la pêche et le tourisme. Pour protéger les ressources marines et biodiversité endémique, plusieurs endroits finissent décrétés zones de conservation, fishing reserves ou parcs marins. Dans l'île Rodrigue Toussel, il y a 5 fishing reserves et 4 réserves marines, parmi Southeast Marine Protected Area, qui est plus grande zone marine protégée, République Maurice. Étant donné la pêche réglementée dans une zone protégée, beaucoup de programmes de conservation viennent ensemble avec une facilité pour permettre de pêcher l'endroit, trouver une alternative pour gagner la vie. UNDP est un promoteur de développement durable et collabore avec plusieurs partenaires nationaux et internationaux pour protéger l'environnement dans la République Maurice. Plusieurs projets UNDP relient directement avec conservation et protection biodiversité. Et n'a projet pour encourager protection biodiversité dans 6 zones côtières et marines, projet corail pour restauration ban site dans Maurice et Seychelles, projet pour aide gouvernement Maurice pour contrôle ban l'espèce invasive qui menace biodiversité, la santé du monde et l'économie, et finalement projet pour limite dégradation ban sol et resto qualité de la terre dans République Maurice. En tant qu'un petit état insulaire en développement, Maurice dépend beaucoup de son environnement naturel qui est bien fragile. Protection et conservation de la nature aujourd'hui essentielle pour préserver la richesse de la nature dans un contexte global marqué par changement climatique, pollution et disparition de biodiversité. Ensemble, à nous protéger l'environnement dans Maurice.